Bien bonjour, donc je vous retrouve dans cet épisode un petit peu particulier hors série. Je vais vous présenter juste après une vidéo où on va regarder exactement le contenu de mon armoire. On va tout vider, on va tout ranger et ça va permettre de faire des petites statistiques, de voir ce que j'ai fait moins, ce que j'ai encore du commerce, quel type de vêtements j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je dois arrêter de faire et qu'est-ce qu'il faut que je me fasse. Bref, j'espère que ça va vous intéresser. Évidemment, je vous le passe en accéléré hein, parce que sinon ça prendrait des plombes de détailler chaque fringue comme dans un podcast. Vous allez juste voir les pièces passer rapidement et je vais vous faire des petites séquences commentaires pour faire un peu le point de là où j'en suis au fur et à mesure. Et on se retrouve juste après pour les conclusions. On va commencer par ce côté où il y a surtout mes pulls d'hiver. Tops d'été qui sont tous dans des couleurs sombres, donc éventuellement faire peut-être d'autres tops d'été, mais cette fois avec des couleurs plus claires. J'ai deux petites choses, trois des petites choses du commerce qu'il faut que je range. Sinon, en termes de tricot, ici c'est la pile des pulls en fingering. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, sachant qu'il y a 1, 2 et 3 dessine-moi un mouton. En termes de couleurs, je trouve ça assez joli. Je suis plutôt contente, c'est assez harmonieux. En gros pull et gilet en fait, puisqu'ici on a un petit gilet. On a quand même un, deux, trois gros pulls, vraiment d'hiver. Celui-ci qui est à moitié en coton, donc qui est peut-être un peu plus de mi-saison. Et un gros gilet. Et pareil, en termes de couleur, je trouve ça assez harmonieux, c'est joli, je suis plutôt contente de moi. Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai fait la pile des lainages assez épais. Ici c'est plus les fins et sur le dessus, là comme c'est la saison, j'ai mis plutôt les tops d'été. Ici je vais ranger mes accessoires, là c'est mon pochon lingerie. Donc là c'est quand même beaucoup plus clair qu'avant où tout était en vrac.
voilà, j'ai vidé toute cette case et le résultat est assez intéressant. Ici, j'ai trois jeans que j'ai fait moi. J'en ai un quatrième, mais qui est rangé, enfin jeté sur une chaise sur le côté, qu'il faudra que je range après. Donc ça, c'est trois jeans que j'ai fait moi. Dans les pantalons que j'ai pas fait moi, il y a un rouge. Effectivement, j'ai pas encore de jean rouge. J'ai un qui est façon un peu enduit, que j'aime beaucoup. Un legging. Et sinon, un jean gris foncé. Effectivement, j'ai un gris clair, mais j'ai pas de gris foncé. Donc je vais conserver tous ces pantalons parce qu'en fait, ils sont pas redondants avec ce que j'ai fait ensuite. Ici, j'ai trouvé trois shorts en jean, pardon. Dont un que j'avais customisé moi, je vous avais montré la photo sur Instagram. Donc je pense qu'en termes de short en jean, on va s'arrêter là. Et j'ai trouvé un petit top qui était là au milieu. Au niveau jupe, j'en ai une que j'ai fait moi ici. Ici, une autre jupe noire, celle-là elle est du commerce. Ça, c'est une brume. Ces deux-là sont du commerce et ça, c'est une autre brume. Donc c'est assez moite-moite, je pense. Et j'ai cette jupe-là également du commerce. Mais j'ai déjà, enfin, je me suis fait entre-temps une jupe rouge, donc celle-là, je pense que elle va sortir de ma garde-robe. J'ai déjà ce qu'il me faut. Sinon, j'ai trouvé ces deux foulards que je vais ranger avec les accessoires. Et j'ai trouvé surtout énormément de sacs, soit de tote bags ou de sacs plastiques des magasins, enfin des choses que je vais pas garder dans l'armoire. Voilà, donc il n'y a plus qu'à ranger tout ça. M'attaquer à la penderie. Donc la penderie, ça c'est à moi. Et à partir de là, c'est à mon copain. Voilà, donc ça c'est ma partie. Et puis ça s'arrête là. Voilà, c'est comme ça. Au final, ce que j'ai sorti, c'est cette petite chemise du commerce qui ressemble beaucoup à la Mélilo que vous avez vu passer, donc je vais pas la garder. J'ai ce petit gilet qui a une couleur très sympa, qui vient du commerce, mais bon, je l'ai beaucoup mis. Je pense que ma soeur va beaucoup l'aimer, donc je pense que je vais lui donner.
Ici, j'ai cette cousette, c'est un body netty qui est trop serré. Je pense que c'est le tissu qui n'allait pas. Je vais le proposer à ma soeur, voir si ça lui va. Et si ça lui va pas, bah, tant pis, on en fera autre chose. J'ai cette robe-là aussi que j'aime beaucoup, que j'ai énormément mise. J'aimais beaucoup cette petite dentelle dans le dos, elle vient du commerce aussi. Mais voilà, pareil, je l'ai beaucoup portée. Je pense que ma soeur l'aimera, donc ça fera une heureuse. Ce t-shirt-là, il vient du commerce, il a une forme incompréhensible. Je vais le proposer à ma soeur, mais à mon avis, elle n'en voudra pas. Et j'ai ce top Chessy. Normalement, j'en ai d'autres, mais je les ai pas vus. Je sais pas où ils sont. Que finalement, je porte pas. Je sais pas pourquoi. Parce que je les trouve très sympas. Je trouve leur coupe sympa. Le tissu est joli, brillant comme ça. Mais finalement, je le mets pas. Donc, je vais le proposer à ma soeur et on verra. Avec la jupe en plus, ça fait tout ça de vêtements que je sors de ma garde-robe. Et finalement, tout ça que je sors de vêtements de ma garde-robe, mais seulement deux que j'ai cousus moi. Donc, si on voit un petit peu ce que ça donne, ici. On a les robes d'été. Donc j'en ai une, deux qui viennent du commerce. Les autres, c'est moi. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, je vais juste décaler un peu ces centres. En termes de top, j'en ai. Je commence à en avoir pas mal. Je trouvais que j'en manquais au début de la saison, mais ça va mieux. Et je trouve qu'il y a un meilleur équilibre. Ici, c'est plutôt les vêtements d'été. Là, un peu la transition, et puis plus les vêtements d'hiver. Et je trouve que ça s'équilibre mieux que ce que j'avais avant de commencer à coudre depuis les, mettons, 2 derniers mois. Où vraiment, j'ai essayé de faire un maximum de trucs d'été parce que c'est vraiment un truc que j'avais pas. Maintenant, il reste à regarder un petit peu ce qu'il y a dans les paniers de linge pour finir le décompte total. C'est assez satisfaisant hein, de me voir tout ranger et de voir le avant-après, c'est plutôt satisfaisant, comme je vous disais. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que ça, c'est l'état de mon armoire à un instant T, que je couds énormément en fait les week-ends où je rentre chez mes parents. Souvent, ces week-ends-là, je couds environ 3 pièces dans le week-end.
Et quand je sais que je vais rentrer chez eux, je fais exprès de venir avec des vêtements du commerce. Comme ça, je prends un vêtement du commerce que je vais laisser et je vais revenir avec les pièces que j'ai cousues. Donc ça bouge, ça évolue. Mais voilà l'état de mon armoire ce jour-là, qui était début juin, début juillet, pardon, 2019. Et donc, voilà, j'ai tout regardé la vidéo, tout noté. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas dans cette vidéo mes bonnets tricotés, mes moufles tricotés, mes châles, j'ai pas non plus mes manteaux. Donc ça, c'est vraiment les vêtements, pas les vêtements de dehors, quoi. J'ai quand même fait un petit peu de tri, et ce que je me suis rendu compte tout de suite, c'est que j'ai plus de ceintures qui tiennent la route. J'ai viré plein de ceintures pourries, donc ça, va falloir s'y attaquer. Autrement, niveau vêtements, j'ai compté 110 vêtements que je vous ai présentés là-dedans, dont 70% étaient faits main. Donc j'avais 77 fringues faites à la main et 33 qui venaient du commerce. Et la première chose que j'ai à dire déjà, c'est que ça m'étonne énormément d'avoir autant de fringues du commerce. Je pensais en avoir beaucoup moins que ça. Et je pense qu'en fait, bah déjà en termes de chiffres, hein, ce que j'ai beaucoup du commerce, ce sont les t-shirts. J'ai 10 t-shirts qui viennent du commerce. Ce sont les petits t-shirts, souvent gris d'ailleurs, que vous avez vus avec des imprimés, qui sont soit souvenirs d'un endroit, soit avec des petites phrases marrantes qu'on m'a offert, voilà. Donc ça, effectivement, c'est ce qui plombe un petit peu le côté commerce. Autrement, ce que j'ai énormément, ce sont les petits tops, puisque j'ai compté 4 petits tops en tricot et 9 tops cousus. Je viens de m'en faire un plus, à l'instant. Alors se calmer. Par contre, ce que j'ai très peu finalement. Alors j'ai pas de short dans cette vidéo qui est fait à la main. J'en ai un en réalité, c'est un short manège, mais qui était dans un sac. Je revenais de garde quand j'ai filmé cette vidéo et donc j'avais ce short dans mon sac. Mais j'en ai qu'un. Autrement, j'ai un petit peu de tout, je pense. Et comme je vous le disais, j'avais assez peu finalement de vêtements d'été faits à la main, et là ça s'est beaucoup mieux équilibré dernièrement. Donc voilà, ça ressemblait un peu à ça, mes petits comptes. Voilà, tout bêtement. En termes de jupes aussi, c'est pas exceptionnel, hein. J'ai finalement que 5 jupes que j'ai faites à la main. Et ce sont plutôt des jupes que j'ai tendance à porter en hiver. Mais je suis pas forcément toujours satisfaite des silhouettes que je compose avec les jupes. Et je pense essentiellement que c'est parce que c'est pas forcément la forme de jupe qui me convient le mieux, tout compte fait. Ce sont beaucoup de jupes droites. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué grâce à Nathalie de Atelier 292, qui a fait un hashtag mon dressing adoré. Avec des petites étapes intéressantes. Et il y avait notamment l'étape tableau Pinterest. Et il se trouve que j'avais déjà un tableau Pinterest de silhouettes que j'aimais bien. Donc je suis retournée le voir, ça faisait très longtemps que je n'avais pas consulté, pour voir justement si j'étais partie dans la direction, dans cette direction-là, quand je me suis mise à coudre finalement ou pas. Et il se trouve que pour les jupes, pas du tout. J'ai épinglé quasiment que des jupes avec des plis ou des fronces et qui partent vraiment en évasé. Et ça, en fait, j'ai pas du tout. Et je pense que c'est ce qui pêche un petit peu finalement là-dessus. Et ce que je vois dans ma garde-robe, ça confirme ça, c'est que finalement, j'ai pas énormément de jupes faites moi. Et je les porte assez peu, en réalité. Je suis beaucoup, beaucoup en pantalon ou en robe. Autrement, je pense que je manque un petit peu de gilet. Là, j'en ai compté 6 qui sont faits par moi en gilet fin. Sachant qu'il y a des gilets cousus et des gilets tricotés en fingering, donc c'est pas tout à fait non plus le même degré de finesse. Et je pense qu'en gilet fin fin, c'est-à-dire cousu, je devrais m'en faire encore 2 ou 3, je pense. Donc ouais, je suis assez surprise quand même du résultat. Il faudrait que je... Et puis il y a des vêtements, je ne sais pas où ils sont. Par exemple, les 3 t-shirts que j'ai fait avec des petites broderies, là, ils ne sont pas dans la vidéo que je viens de vous présenter. Et je ne les ai pas trouvés ni dans l'armoire, ni dans le panier à linge propre, ni dans le panier à linge sale. Donc, soit ils sont bien planqués, tombés dans un coin de l'armoire, peut-être en dessous du portant.
savez, le portant avec les cintres. S'ils ont glissé de leurs cintres et qu'ils sont tombés sous le portant, là, il y a un petit peu de bazar, j'avoue, que j'ai pas fouillé là. Donc, soit là, soit chez mes parents, mais je crois pas être venue avec chez mes parents. Donc. Ça m'embête un peu parce que je les aime beaucoup, ces t-shirts, et justement, ça me permettrait peut-être de virer quelques t-shirts du commerce auxquels je tiens moins, qui ont moins de valeur sentimentale pour moi. Donc, ça peut être pas mal. Autrement, donc, on a vu aussi qu'en matière de jeans, bah, il me faudrait du jean noir, rouge et plus ou moins du jean enduit. Ça pourrait être pas mal pour compléter un petit peu ma collection de jeans faits à la main. Donc, ne pas racheter forcément de jean bleu, c'est pas indispensable. Et puis, il reste à faire un point. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les châles, les manteaux, ça, je pense que c'est une bonne chose à faire à l'approche de la rentrée. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse un point plus vêtements du dehors, du coup. Et je pense que je vais refaire cette vidéo peut-être dans 6 mois ou dans un an, voir comment les choses ont évolué. Éventuellement faire d'autres vidéos comme ma garde-robe. Enfin, je vous avais fait quoi? Je crois que c'était 3 looks de mi-saison. Des choses comme ça pour essayer de voir un petit peu comment les pièces s'accordent entre elles. Ça peut être pas mal pour progresser dans qu'est-ce que je fais et à quoi ça va me servir. Là, par exemple, ce que je vais me mettre à coudre tout de suite après vous avoir laissé, je pensais faire encore un top d'été. Mais je pense que je vais utiliser ce tissu finalement pour me faire une pièce qui ressemble plus à un t-shirt. Parce que je mets, voilà, un truc intermédiaire entre le t-shirt et la blouse. Un petit haut ample, facile à mettre, que je vais aimer porter. Au cours d'une journée endiablée au travail, voire qui enchaîne sur une garde de nuit, c'est pas le moment de mettre les petites blouses très ajustées près du corps, machin. Non, c'est pas ça que j'ai envie de porter à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que ma conclusion reste un petit peu en l'air. Je crois que j'ai besoin de réfléchir en fait à cette vidéo un peu plus, que ça reste à macérer dans mon cerveau, mijoter. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez de cette vidéo, qu'est-ce que ça vous inspire. Voilà, parlez-moi. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.